Hello, you're on. I believe you got two bands. The Killers in England and the Starlights, Yeah, Dylan Curtin, the Killers in England and the Starlights in France. How do you do to make the rehearsals with the Starlights? Well, it's actually the Starlights that do all their homework. I send them the songs I want them to learn. They all meet up, Nico, Danny and Brian all meet up and they perform the songs together and wait for me to go over there so I can perform it with them. So they do the homework. What's your main instrument? My main instrument's a piano. Piano. It's, why? Because it's what I'm best at. The other ones I'm not so good at. But it's one of the most comfortable. What were you listening when you were a kid? I've been listening to rock and roll, rockabilly most of my life since I was about 6 years old. I heard it playing on the radio in my mother's car. Your models are not British, but Americans. Yeah, American, not British. I do listen to some British stuff, I listen to skiffle and stuff, but American rock and roll, rockabilly is the best stuff. Eddie Cochran, extra. Yeah. Brian, depuis quand tu as commencé à jouer la contrebasse et est-ce que tu as attaqué direct à cet instrument ou est-ce que tu as appris avec un autre instrument avant? Non, j'ai commencé directement il y a à peu près 5 ans. Ouais, 5 ans, j'avais 10-11 ans quand j'ai vu mon premier contrebassiste en œuvre, qui est Rémi Despony Boy, ça j'arrête pas de le revendiquer, j'adore. Ah ouais? Ce type est juste géant. Peu importe les critiques, moi je surkiffe ce qu'il fait. C'est grâce à lui que je fais de la contrebasse depuis 5 ans. Et ta contrebasse, elle a pas l'air toute jeune? Ah non, elle l'est pas. Elle a une histoire? Certains disent que cette contrebasse aurait été dans les mains de Hank Williams. Et sachant ça, j'ai demandé à l'ancien propriétaire, donc qui serait de seconde main, qui est Rick Dettinstar, et c'est lui qui me l'a confirmé. En fait. D'accord. Donc elle a un paquet d'années, quoi. Elle est de 1947. 47, ouais, d'accord. C'était même avant le rock'n'roll, ça. Bon, donc pourquoi le choix de cet instrument si compliqué à transporter? En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi. Ah oui, t'as déjà pris le métro avec? Non, mais j'espère pas. Difficult to sing in the same time to play? At first it was hard to put both hands together as well.
to get them to go in coordination with each other. But over time, I practice and practice, and then it's a lot easier to sing and play at the same time. Okay. Okay. Thank you for the interview. Oh, and good gig. Thank you very much.